L'évolution des modes de consommation, dans les monts d'Arrée, une douzaine de producteurs se sont associés avec comme ambition d'offrir un service toujours plus proche de leurs clients. Reportage Mathieu Herry, Catherine Aubel. Yann Laure produit à Uelguat du pain biologique au levain et depuis le lancement de son activité, il livre sur les marchés et dans quelques points de vente locaux. Désormais, chaque vendredi, il devra aussi charger dans son véhicule les commandes passées par les clients de Coquelicot. Tout ça, c'est des commandes. Ouais. On a une cinquantaine de commandes. Pour démarrer, c'est plus qu'encourageant. Après, c'est que des petits volumes de commandes parce que les gens ils vont tester. Ils connaissent pas, ils vont tester. Mais 50 commandes, c'est super chouette. Ouais. Au hangar communal du Uelguat, chacun des 12 producteurs décharge puis répartit ses produits dans les cartons. Il y en a près de 70 pour ce lancement. Alors c'est un peu la course pour être fin prêt à l'heure de la distribution. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un peu compliqué, ouais. Mais on va y arriver, ça va. Avec les listes, ça va. On est prêts. Avertis par des affiches, les clients ont jusqu'au mercredi soir pour passer leurs commandes sur Internet. Quand ils arrivent, leurs cartons sont prêts. Reste à remplir le panier, payer et rentrer goûter. J'arrive du travail parce que je suis infirmière libérale, donc j'ai fini ma tournée et là je viens chercher mes produits pour reprendre ce soir. J'ai du rôti de porc et du jambon blanc. C'est ça. Voilà, les deux sont là. Ça faisait très longtemps que je cherchais des paniers de producteurs et que je trouvais pas. Donc je suis ravie. Je trouvais pas ce que je voulais. Là c'est simple, c'est rapide, je peux faire sur internet. Je viens le vendredi soir, c'est parfait. Maintenant est-ce que c'est bon? Je vous dirai ça la semaine prochaine. Dans les semaines à venir, les producteurs prévoient de se relayer deux par deux pour assurer la distribution du vendredi. Nous, on rencontre directement nos consommateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Même les consommateurs ont pris producteurs, finalement. Donc, c'est un avantage pour tout le monde. Nous, ça centralise un peu nos commandes. Donc, finalement, nous non plus, on n'est pas obligé de se déplacer à droite à gauche pour vendre. On se rassemble. Et en fait, on est tous entre amis parce qu'on se connaît, parce qu'on fait la même chose, on est paysans. Dans le pays du Uelguat, quelques clics suffisent désormais pour remplir son panier.